le samedi, tout est permis. Hey, connectez-vous famille, partagez la vidéo. Mesdames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez, voilà, un super week-end. De toutes les façons, on est couvert, donc on ne sait rien faire. Comme promis, j'ai dit que, hein, je vous ai dit que j'allais revenir, comme je vous ai dit. Voilà, souffrez un peu. Voilà. Est-ce que vous êtes concentré? Je vous ai dit, hein, prenez votre tabouret. Parce que il y a quelque chose qui est rentré dans mon corps. Il y a quelque chose qui est rentré dans mon corps. Et je ne dois pas dormir sans dire ma part de vérité. Parce que quand je mets lunettes là, c'est que ça va se casser. Appelez tous les affairés. Bipez-moi toutes les personnes. Les défenseurs de Makoso. Bipez-moi-les aujourd'hui. Partagez la vidéo. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Voilà, commencez à partager cette vidéo. Parce que ça va se casser. Eh oui, ça va se casser. Comme on est samedi. Non, le thé là, ça va d'être, mon cher. Hein? Avec le thé là, j'ai dit, hein, la femme est raffinée comme ça, on peut déjà comme ça. J'ai dit, hein, la femme est raffinée, Adama. On peut déjà comme ça, avec le thé. Je suis même ici, fin. Aïe, aïe, bim, le vent est parti. On peut dire comme ça. La folie de ça. Avant de commencer, on va écouter un peu une petite musique parce qu'on est samedi là. Voilà, on va écouter un peu. Vous savez, c'est l'Afrique qui gagne. Hein? Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Soutenons-nous vivants. Voilà, soutenons nos artistes vivants. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Je veux voir ceux de cœur. On va écouter un peu notre créole. Voilà, créole, c'est la tisa. Voilà, on va écouter ma rivale. Moi, je suis la patronne. Je dois danser un peu sur le son de ma rivale. Pour dire que aussi, que les titulaires, ceux-là ont des jets de rein. Voilà. Pour prouver à la tisa que la titulaire même là, c'est petit mais ça mousse. Est-ce que les Gabonais sont là? Je fais une petite dédicace. À tous les Gabonais, c'est la famille, c'est l'Afrique qui gagne. Partagez la vidéo parce qu'elle veut dire c'est pour frapponner. Et on commence d'abord. Donc on va écouter ici la musique de créole. Voilà. Le 144. La bougie de la gloire. Bougie de la gloire. Attendez, je vais chercher d'abord. Faut que je m'inspire. Voilà, je dois prendre mon exacte inspiration. C'est de ça qu'il s'agit. Le plaisir au travail. Ah, j'aime pas trop la publicité là parce que ça me déconcentre avec le thé qui va avec. Dans la chambre 144, la bougie que. 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 Deuxième chieur, c'est quoi la machine?
c'est l'Afrique qui gagne. Regardez ici, vous êtes encore mineur là, hein? Qui va manger encore? C'est quoi, Nomi? Hein? Ah! Donnez-moi un peu de Nomi, hein? Oh! Voilà! Ah, dame, on peut danser comme ça. Donnez-moi un verre d'eau là-bas. Je me suis cassé ici, là. Y a le métier n'est pas facile, hein? Petit truc que j'ai fait là. Je vais avoir. Oui, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. C'est bon, je mets encore. Quoi? C'est bon. C'est le gnomi, oh. Gnomi. Vous pensez que nous ne mange pas gnomi ou bien? On mange gnomi, d'eh. Ça, c'est le gnomi. Gnomi. C'est le gnomi, elle est qui est bon. C'est quoi? Des guerres? Non, elle est. Ah, merci. Oh, famille. Petit truc que j'ai fait là, vraiment. C'est. Non, toi, tu veux trop sauter dans mon vie. Je dis, il ne faut pas les petites filles avant de te voir. La fille qui sort, les yeux là, ça tourne comme cela, j'ai encore une heure. Elle est pour moi, elle me servit. Adama, on peut apparaître dans les vidéos comme ça. Ah. Oh. Je me servais comme ça. Donne-moi le boîte de lait là, ma cuillère. Adama, excusez-moi, j'ai trop tué. Vous allez bien? Est-ce que ça va? Parce que quand je mets mes lunettes, c'est que c'est pour vous abonner. Partagez-moi la vidéo. Est-ce que j'ai tué? Vous voyez aussi que les titulaires aussi là, elles ont des jeux derrière. Même les titulaires, même là. Hey, voilà, ces petits modèles. Ouais, ces petits, mais ça mousse. Donc les titulaires aussi là, c'est pas parce que voilà, c'est parce qu'elles sont vieilles non plus de rien. Le rein fonctionne. Le rein là, ça fonctionne, c'est avec 4 piles. Voilà, c'est pas bloqué. Donc famille, je vous invite sur le direct ici, parce qu'on doit se dire les vérités. Voilà, vous savez, l'eau n'est pas hypocrite. Mm-hmm.
Lova, vous qui connaissez Lova, là, je ne suis pas hypocrite. Je suis quelqu'un de droit. Je ne peux pas voir quelque chose qui est noir. Et puis je vais dire c'est bleu. Mm-hmm. Je viens, je te dis la vérité. Et puis on roule. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire que tu es mon ennemi, non. Mais je préfère te dire la vérité. Et quand je te vois dans la rue là, je te salue. Si tu veux, tu me réponds. Si tu ne me réponds pas, Dieu même sait que Lova t'a salué. Elle t'a salué parce qu'elle n'a pas de rancune dans son cœur. Parce que son ventre là, c'est pas valise. Parce que son ventre là, c'est pas. Elle ne garde pas les choses. Raison pour laquelle là, le ventre même est cassé. Malgré deux enfants, on dirait pas. Tant que je ne vous dis pas, est-ce que vous allez savoir que c'est André que vous me donnez 18 ans? Pourtant, c'est vendre ça, c'est deux enfants. Puis regardez, ici encore fraîche. C'est parce que je ne garde pas les choses dans mon ventre. Invitez-moi ici, Peter 007. Mm-hmm. C'est Lova, hein? C'est Lova. Invitez-moi dans mon direct ici, sous le de Paris. Nous avons ici, depuis l'année 2020 ici, nous avons assisté ici à un scénario pendant la mort de ce soi-disant pasteur que j'ai toujours dénoncé, que j'ai même surnommé le veuve joyeux. Son comportement après le décès de sa mort, on s'est levé ici. On a suspecté que... le monsieur là, son affaire n'est pas claire. Nous voulons tous voir clair dans cette affaire. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, invitez-les moi ici là, parce que je vais parler. Vous savez comment je vais parler, je n'ai pas froid aux yeux, je parle et puis je quitte là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des vidéomans. Chacun dit sa part de vérité, puis on avance. Voilà. Et lorsque nous avons commencé à analyser ce dossier, les gens ont trouvé que non, Lova, tu exagères, Lova, tu parles trop, Lova, tu es ceci. J'ai été même menacée. Oui, j'ai reçu des menaces, hein. Je vous dis, j'ai été même attaquée. Ma première page où j'étais suivie plus de 2000 personnes. Mais c'est pas beaucoup, mais quand même c'est beaucoup. 22 000 personnes, pardon, dans les 22 000 personnes. À cause de ma vérité, à cause de ma sincérité, je parle gros français aujourd'hui, hein. Ah bon. À cause de ma sincérité et de mon honnêteté, cette page, elle a été désactivée. J'ai perdu 3 pages parce que mes 3 pages sont liées à mon compte Facebook. J'ai perdu ma page YouTube où je fais direct, j'ai plus de 10 000 vues sur YouTube. Cette page, je l'ai perdue. J'ai perdu ma page Instagram. J'ai perdu ma page Facebook. Mais ça m'a tellement touchée, j'ai eu tellement mal. Je dis, mais je vais reprendre encore tout à zéro. J'ai perdu mes abonnés. Qu'est-ce que je vais faire? Mais attends qu'une lionne. Je ne recule pas. Oui, j'aime affronter. J'aime toujours affronter. Je dis, même si ma page est perdue, mais c'est l'homme qui crée. De la manière que je n'étais pas trop suivi avant. Et puis, avec ma vérité que je disais, les gens ont commencé à s'abonner. Mais, si j'ai perdu ma page, c'est parce que ma vérité, ça blessait certaines personnes, ça choquait certaines personnes, ils ont failli me marmailler, ils ont dit, mais attends, on doit faire disparaître cette fille de Facebook parce que sa bouche ne porte pas caleçon, parce qu'elle parle trop. Et c'est ça qui est la vérité, parce que tout ce qui sortait de ma bouche, c'était que la vérité et rien que la vérité. Et moi, mon devoir, c'est pour défendre des personnes qui n'ont pas la force, qui ne peuvent pas placer les caméras pour parler devant le public. Pour défendre les femmes qui sont battues, les femmes qu'on les tue sans cause et on ne trouve pas la raison de leur mort. Et j'ai pris le dossier à main. J'ai parlé selon mes analyses.
Je vous dis que quand j'ai pris le dossier là, je ne suis pas rentrée en contact avec quelqu'un. Je ne suis pas allée chercher l'idée avec mes amis blogueurs. Je me suis levée toute seule avec mes analyses. Et je suis venue m'asseoir devant ma caméra. Je dis, Makoso, tu nous dois les explications. Tu dois nous dire la cause de la mort de ta femme. Parce que l'histoire n'est pas claire. Parce que tu es suspecté dans cette histoire. Dans cette histoire, tu nous dois les explications. Il y a les gens qui se sont levés contre moi. Non. Tu sais que il vient de perdre sa femme. Non, tu es ceci, tu es cela. Je dis oui. Je comprends. Je sais qu'il vient de perdre sa femme. Mais il nous doit les explications. Il y a certaines personnes qui étaient tellement achetées, qui étaient tellement vendues, qu'il est rentré en contact avec ces personnes-là pour dire que, aide-moi, parce que je sais qu'ils vont m'accuser. Quand tu ne te reproches rien, tu n'as pas besoin d'aller chercher renfort, tu n'as pas besoin d'aller chercher aide, tu n'as pas besoin qu'on vienne te soutenir. Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi la vidéo, faites monter le mercure. Je dis, invitez-moi les traites, PT007, et puis, comment, tonton en voiture là, invitez-moi les ici. Parce que ces personnes-là, j'ai déjà fait la sauce de Don Giovanni. J'ai déjà fait sa sauce. J'ai déjà fait sa sauce parce que je dis, ce sont des hypocrites. Vous avez protégé un assassin. Vous avez protégé un criminel. Vous avez protégé quelqu'un qui a tué sa femme parce que ce n'est pas votre soeur. Quand on dit on est blogueur, quand on dit on est cyber-artifice, quand on dit on est vidéoman, vous êtes sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces genres de comportements. Pour dénoncer les criminels, les tueurs, pour défendre des forces, des personnes qui n'ont pas le savoir parler, comme nous, Lova, pour mettre leur téléphone pour parler. Mais non protéger ces personnes. Est-ce que le volume est bon? Partagez la vidéo, faites monter le mercure là. C'est pas pour venir me regarder. Je sais que je suis raffinée avec le teint qui va avec Jedja. Voilà, c'est la lumière de 5h du matin. Tu n'as pas besoin d'allumer la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que ce Makoso là, parce qu'il savait que il était dans le problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en contact avec les grands cyberartifices. Parce que ceux-mêmes qui parlent fort, et quand ils parlent là, on va attendre leur voix. Ceux-mêmes, quand ils toussent, ils vont attendre leur voix et mettre la main sur ce délinquant, sur ce criminel, sur ce tueur. Excusez-moi. Il y a un téléphone qui sonne en haut. Excusez. Voilà. Est-ce que vous me les avez invités ici? Je dis invitez-moi putain 007 et tonton en voiture là. C'est sous les de Paris. Qui ont protégé aujourd'hui ce Makoso. Et l'esprit de Tatiana est en train de les frapper. Aujourd'hui là, vous sortez maintenant les secrets. Vous sortez maintenant les secrets. Donc, vous avez protégé un criminel. Vous avez protégé un assassin. Vous l'avez couvert.
on ne se reproche rien, quand on sait qu'on n'a rien à voir dans la mort de sa femme, tu n'as pas besoin de rentrer en contact avec les gens pour leur dire que pardonnez, venez à mon secours, pardonnez, comment dirais-je, protégez-moi, venez me défendre. Et aujourd'hui, parce que Awata, oui, Awata, Chris Yapi, son histoire est sortie, vous voulez casser les papos, mais vous êtes tous des judas, vous êtes des hypocrites, vous êtes les vendus, vous êtes les achetés. C'est Lova qui dit ça. C'est Lova qui dit ça. Il est venu vous supplier, vous demander pardon. Vous le défendre. Vous lui avez posé la question, mais pourquoi tu veux qu'on te défende? Si tu sais que ta femme est morte naturellement, même si les gens t'accusent, mais tu sais que tu n'as rien à voir, pourquoi tu demandes la défense? Pourquoi tu veux qu'on te protège? C'est qu'il y a quelque chose. Ou bien famille, est-ce que le volume est bon? Dites-moi, si le volume n'est pas bon, dites-moi, je change de volume. Faites monter le mercure là, c'est de ça qu'il s'agit. Faites monter le mercure avant que je continue. S'il savait très bien qu'il n'avait rien à voir dans la mort de sa femme, pourquoi qu'il rentre en contact avec Soule de Paris, il rentre en contact avec Don Giovanni, il rentre en contact avec, avec PTPT07. Même avec les DJ Londres, DJ de Londres, avec tous ces blogueurs-là, pour que les gars le protègent. Pourquoi? Vous devez lui poser la question. Mes chers Makoso, vous ne vous sentez pas coupable. Vous n'avez rien à voir dans le décès de votre femme. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez la protection? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous couvre? Même si les gens vous critiquent, même si les gens vous accuse, dormez tranquille. Dormez tranquille, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas paniqué. Ne soyez pas stressé. Ne soyez pas paniqué, mais dormez tranquille. Oh, les fétichiers l'ont quitté ici. Est-ce que le volume est bon? Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que quand il venait vers vous là, il était votre ami. Il était votre ami. Parce qu'il sait que vous êtes les dangereux des réseaux sociaux. Quand vous toussez seulement là, on vous écoute. Quand vous parlez seulement là, ils vont mettre la main sur lui. Donc là, il est passé par vous. Il est venu vous marmailler à Dama. On peut marimailler les gens facilement comme ça. Alors, votre rôle sur Facebook, là, c'est quoi? C'est pas seulement parler de la politique, mais c'est pour défendre aussi des personnes qui n'ont pas la, qui n'arrivent pas à se défendre. Vous l'avez protégé. Oui. Il a traité sa belle-mère de tous les noms. Aujourd'hui, cette dame, elle est morte de stress. Vous l'avez toujours protégée. Il est venu traiter encore l'oncle de sa femme jusqu'à elle est décédée. Vous les avez protégés. Vous avez fermé votre bouche. Pourquoi c'est maintenant vous voulez casser les papos? Un ami reste toujours un ami. Pardonnez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Un ami reste un ami. Quel que soit, même si c'est gâté entre vous, le secret là, ça doit rester entre vous. Mais pourquoi aujourd'hui vous faites sortir le secret? Pourquoi aujourd'hui, Peter 007, tu fais sortir le secret? Pourquoi aujourd'hui, sous le de Paris, tu mets le vocal? Mais vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Oui. Vous êtes des lâches parce que vous avez, c'est-à-dire que vous avez protégé quelqu'un, un criminel, pendant que la maman, elle avait besoin de vous. Vous avez tué trois personnes.
Trois personnes sont mortes. Vous l'avez fermé. Vous n'avez pas crié, oh justice, que justice soit faite. Si c'est trois morts, nous voulons savoir. Vous avez protégé votre ami. Vous allez venir vous jouer maintenant les avocats après la mort à Gama. On peut être vendu comme ça vivant. Alors c'est quoi votre rôle sur Facebook? C'est quoi votre rôle? Si vous êtes là pour protéger un criminel, et c'est maintenant, vous allez venir casser les papos. Pourtant, il y a eu deux morts. Pourtant, il y a eu trois morts. Et vous allez venir maintenant casser les papos. Non, mais vous ne devrez pas le faire. Vous ne devrez pas le faire. Ou bien l'argent est fini. Parce que je ne pense pas qu'il est venu vers vous gratuitement. Je pense qu'il vous a payé. Je pense que Makoso a payé sous les de Paris. Pour ne pas qu'il dénonce la cause de la mort de sa femme. Je pense que Makoso, il a payé SB007 pour ne pas qu'il parle dans l'histoire de sa femme. Parce que on le connaît. Ils ne peuvent pas, il ne va pas venir fermer leur bouche sans rien les donner. Sans rien les blâmer, sans mettre quelque chose dans leur poche. Il a fait. Que le volume est bon. Maintenant aujourd'hui, parce qu'il est venu parler de Soro, parce qu'il est venu parler de Awata, de Chris Yapi, et on fait sortir maintenant, on va se casser les papos. Mais où vous étiez en ce temps? Donc si l'histoire de Chris Yapi n'était pas sortie, si l'histoire de Awata n'était pas sortie là, vous n'allez pas parler. Mais attends, vous êtes des amis. Les secrets, ça se garde toujours, même s'il y a une parole, mais les secrets restent toujours les secrets. C'est pas le moment de venir parler de ça. Parce que là, c'est tard. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est maintenant vous allez venir dire que oui, c'est lui qui a tué sa femme. C'est maintenant vous allez venir dire que non, il est venu nous demander pardon pour qu'on le protège. Mais vous êtes des vieux lâches. Vous êtes des vendus. Vous êtes des achetés. Vous êtes des achetés. Aujourd'hui, je suis tombée sur un direct. D'abord, j'avais déjà écouté le direct de PT007. Où il parlait un peu de la mort de la femme de Makoso. Et puis, il a mis le vocal de sa fille. Où elle témoignait. J'ai dit, mais attends. C'est maintenant ceux-là se sont réveillés de leurs rêves. Ou bien c'est comment? C'est maintenant là, ils se sont réveillés de leurs rêves. C'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que ce monsieur, il a quelque chose à voir dans la mort de sa femme. C'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que ce monsieur là, on ne peut pas tisser de l'amitié avec lui. C'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que ce monsieur là, on ne doit pas le défendre, on doit le dénoncer. Parce qu'il va faire pire que ça. Non mais je rêve. Nous sommes dans quel monde où il faut toujours protéger les criminels? Au lieu de les dénoncer, vous les protégez. Ou bien le contrat que vous avez signé, le contrat est fini. Ou bien le contrat que vous avez signé là, le contrat est fini. Donc c'est maintenant que vous êtes réveillé, vous allez venir le dénoncer. On va d'abord écouter la vidéo, la première partie. C'est maintenant que vous allez vous casser les papos. Attendez. Oh, vous les marabouts là, hein. Vos maudits. Quittez ces trucs là, c'est quoi? Partagez la vidéo. On va écouter ici. La première d'abord. C'est-à-dire que c'est l'esprit de Tatiana qui est en train de les fracasser. L'esprit de Tatiana est en train de toutes les personnes qui ont défendu ce monstre, qui ont défendu ce criminel. L'esprit de Tatiana est en train de les visiter et ils sont en train de maintenant se casser les papos entre eux. La vérité va finir par sortir. Nous, on vous regarde. Beaucoup de choses. Je m'interroge parce que ici, tu as pris la liste, on parle de nous ici pour qu'on puisse te défendre quand ta femme est morte. Mais moi, je m'interroge, il y a beaucoup de choses d'hommes. On va écouter des modèles. Je remets. Beaucoup de choses. Je m'interroge. Parce que ici,
Tu as pleuré, je suis en plein de nous ici pour qu'on puisse te défendre quand ta femme a été, quand ta femme est morte. Mais moi, je m'interroge, il y a beaucoup de sons d'hommes. On va écouter des modèles. Donc maintenant, là, ils viennent à la raison. Vous savez pourquoi est-ce que il a fermé la bouche de Desbordeaux? C'est parce qu'il a été menacé. C'est parce que Desbordeaux a reçu des menaces de ce même criminel de Makosso. Raison pour laquelle ils l'ont menacé. Et il était même obligé d'aller, comme on appelle, présenter ses excuses là-bas, avec sa soutane, et dit Yako. Ce que Desbordeaux avait dit là, il avait, d'une part là, il avait raison. Lui au moins là, il a dit la vérité. Non mais le numéro passe, c'est un numéro WhatsApp, Linda Kofi, ton numéro ne passe pas. Le numéro passe, attends que je regarde. Non, c'est le numéro, ça passe sur WhatsApp, juste sur WhatsApp. Je vais vous dire, juste sur WhatsApp, voilà. Téléphone normal, ça ne passe pas, c'est sur WhatsApp, c'est un numéro WhatsApp, voilà. Aujourd'hui, parce que quand Desbordeaux disait là, il était dans la vérité. Donc ils ont failli faire, ils ont fermé sa bouche pour ne pas qu'il parle. Donc toi, sous le départ aujourd'hui là, tu reviens sur les dits de Desbordeaux. On peut être acheté comme ça. Oh, j'ai dit les marabouts là même, ils ont un problème. Vous êtes entassé direct des gens là, c'est quoi ça? C'est aujourd'hui. Tu reviens sur les dits de Makosso sous le départ. Adama. Adama. On va continuer. C'est malheureux. C'est malheureux. Même si on arrête ce Makosso-là, vous êtes aussi sa complice. Si on arrête ce Makosso-là, vous êtes ses complices parce que vous l'avez prononcé. Vous l'avez protégé au lieu de le dénoncer. Vous l'avez protégé. Donc vous en faites partie. Vous êtes ses complices. On va partir un peu, Quand tu défends, quand ta femme est décédée, tu as demandé pardon ici. Quand tu défends, quand ta femme est décédée, on t'accuse. On a pris sur nous, on t'a défendu. C'est toi qui veux nous insulter ici. Et vous ta femme est décédée ici, là, dans les conditions obscures. Ta femme, là, elle est morte ici dans les conditions obscures. Toi, tu as pris dans nos inbox, dans les WhatsApp, nous supplier. Ne m'appelle pas. Oh. Nous supplier pour qu'on vienne te défendre. C'est toi, mais là, tu veux nous insulter. Ah non, tu peux nous défendre, tu peux nous insulter. Je te permets pas cela. On va écouter cela. Vous avez vu? Donc, quand la femme de Makosso est décédée, là, ce sont les personnes à qui Makosso est rentré en contact pour aller plénicher là-bas, pour dire pardonner, aidez-moi, aidez-moi. Mais ils vont t'aider pourquoi? C'est la question que je me pose. Mais ils vont t'aider pourquoi? Tu n'as rien fait, mais pourquoi tu veux qu'on t'aide? Posez cette question-là à Soule de Paris. Est-ce que quand le jeune là, comme il s'appelle là, Suspect 95 a perdu sa femme, il est rentré en contact avec un blogueur, une blogueuse pour dire non, protégez-moi parce que je sais que les gens vont m'accuser. Hein? Il est rentré en contact avec le blogueur pour dire protégez-moi parce que les gens vont m'accuser. Non. Mais pourquoi lui, Makosso, à peine que sa femme décède, il rentre déjà dans votre inbox pour venir demander de l'aide pour que vous le protégez. Mais vous lui avez posé quelques questions. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi il veut la protection. Mais les gens vont l'accuser, ils vont l'accuser, c'est comme ça, c'est truc. Si c'est qu'ils se reprochent rien, ils vont l'accuser, puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est les accusations, puis ça s'arrête là. Mais si ils passent derrière plusieurs personnes, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une cause. Et vous, en tant que les cyberartifices, en tant que les blogueurs, en tant que les vidéomans, là, votre devoir,
c'est de défendre des sans-voix. C'est de les défendre. C'est de les défendre. Quand Atamira Choko, il a pris cette affaire-là, il a chargé sur sa tête. Il a chargé sur sa tête. Mais les gens ont commencé à lui traiter de tous les noms. Non, il n'y a pas de cœur. Non, il est méchant. Non, il est ceci. Non, il est cela. Mais vous avez fini par comprendre que il avait raison. Mais vous n'allez pas faire sortir dans votre bouche pour dire, frère, on te donne raison parce que vous avez honte. Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des achetés. Vous êtes des vendus. Vous n'avez pas ce courage-là. Vous n'avez pas ce courage-là. Mais Atamina Choko a donné sa poitrine. Oui. Parce qu'elle est dans la vérité. Parce qu'il défend la cause des femmes. Parce qu'il n'est pas un lâche comme vous. Il n'est pas un hypocrite. Il ne suit pas l'argent. Mais vous avez suivi l'argent. Donc, si vous avez suivi l'argent, pourquoi vous voulez faire marche arrière? Pourquoi est-ce que vous voulez faire marche arrière? Non, mais ne devenez pas l'avocat. L'avocat après la mort. Ne devenez pas l'avocat après la mort. C'est trop tard. Oui, vous avez fait fort. C'est trop tard. Donc, Juan, il a compris. Hier, là, qu'il est venu plénicher, là. C'est là lui, il est sorti de sa cachette, de sa carapace là, pour venir faire une vidéo genre. Pour venir dire non, Makoso, tu étais mon ami, je t'avais protégé, mais là tu m'as déçu. Toutes les personnes qui l'ont protégé là, vous serez dévoilés. Et c'est ça, ça a commencé. Ça va commencer sur Don Giovanni. Aujourd'hui là, c'est sur Peter Peter 07 et puis et tonton en voiture. On ne sait même pas, lui toujours c'est dans la voiture, il fait vidéo. On ne sait pas s'il n'a pas maison hein, ou bien si sa femme l'a mis dehors. Toujours lui il est dans la voiture. Hein, tonton en voiture. Toujours là, vous allez le voir toujours dans la voiture. Ah! Peut-être c'est sa voiture là qui est sa maison. Peut-être sa femme l'a mis dehors parce qu'ici en Europe là, les femmes là, elles ne durent pas dans mauvais rêve. Toujours dans la voiture. Vous êtes le complice de Makoso. Vous êtes ce complice. Vous vous attendez à quoi? Vous pensez qu'il allait vous caresser les testicules? Vous pensez qu'il allait vous caresser? Il est venu jouer avec. Il est venu, c'est-à-dire qu'il attire toujours les gens par sentiment et par émotion. Il attire les gens par ses sentiments et par ses émotions. Tonton en voiture. Parce que toi, toujours là, c'est dans la voiture. On ne sait pas si tu n'as pas maison. Ah, si ta femme t'a mis au dehors là, il faut nous dire. Tonton en voiture, sous les de Paris. Je dis. Donc, c'est maintenant là, tu sais que Makoso, il a quelque chose à voir dans la mort de sa femme. Il faut venir nous expliquer. Viens nous expliquer. Donc, c'est maintenant que tu sais que ce n'est pas une bonne personne. C'est maintenant que tu sais que c'est un bonbon pasteur. C'est maintenant que tu sais que ce n'est pas un homme de Dieu. Adama, on peut être vendu comme ça. On peut te marmailler comme ça. Et bien, tu es venu te maintenant casser les pommes parce qu'il a parlé d'Awata. Parce qu'il a parlé de Chris Yapi. Parce qu'il a parlé de Soro. Donc, si Chris Yapi n'avait pas venu, il n'était pas venu pour tout Nyarami là. Vous allez continuer à le protéger, non? Vous allez continuer à le protéger. Mais vous pouvez le protéger, mais sans dire les secrets, ce qu'il vous a à dire. Vous devrez le protéger. Mais pourquoi vous faites passer ce qu'il est venu vous dire? Quand il est venu dans votre téléphone là-haut, on était là, on était au courant, nous on n'était pas là. On n'était pas là. Il est venu envers vous par émotion. Il a pleuré. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous lui avez posé la question?
Mais pourquoi cette? Pourquoi tu veux la protection? Pourquoi tu ne veux pas la protection de Dieu et puis tu veux la protection des humains? En tant qu'un pasteur, tu te reproches quoi? Tu te reproches quoi? Vous l'avez protégé ici. Vous l'avez couvri. Maintenant, aujourd'hui, quand tu veux qu'on casse les papos, c'est guerre de guerre. Vous êtes des lâches. C'est une honte. Vous avez des sœurs. Vous avez des femmes. Et vous voyez la douleur d'une mère. Une mère qui est en train de demander de l'aide. Qui voulait qu'on l'écoute. Qui ne pouvait pas prendre son téléphone et puis s'exprimer. Elle dit, hé, pardonnez-vous, vous qui êtes les réseaux sociaux là, vous dites que vous êtes les gens de sans voix. Mais aujourd'hui, là, voici ce qui m'arrive. Voici ma douleur. Écoutez-moi, j'ai besoin d'être écouté. Vous avez fait? Non. Parce qu'il vous a payé. Oui, parce qu'il vous a liquidé. Et vous l'avez protégé. Jusqu'en cette dame-là, cette maman aujourd'hui là, elle est décédée. Elle est morte. Papa en voiture, tonton en voiture. C'est maintenant que tu sais que Makoso c'est un marmailleur. C'est maintenant que tu sais que tu te rappelles bien qu'il a quelque chose à voir dans la mort de sa femme. Adama. Tonton toujours au volant. Ah. Tonton toujours au volant, j'ai dit, hein. Mais c'est ton ami, tu l'as protégé, non? Pourquoi c'est maintenant que tu veux casser son papeau? On dit le secret est professionnel. Voilà, il t'a confié un secret, donc tu dois garder ce secret-là. Et puis tu continues de le protéger. Mais quel que soit ce qu'il va dire, mais vous gardez le secret, vous pouvez vous insulter. Mais le secret qu'il t'a dit là, pourquoi c'est maintenant que tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux? Tu es sa complice. Parce que quand tu protèges un criminel, c'est que tu es sa complice. Aujourd'hui, là, elle est en train de vous visiter. C'est-à-dire que vous-même, là, vous êtes en train de vous dévoiler. Vous êtes en train de vous dévoiler. Sans que on vous... C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui l'ont supporté, qui l'ont protégé, là, aujourd'hui, là, ils sont en train de casser les papos. Ils sont en train de dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'envoyer, c'est-à-dire que faire sortir son vrai visage. On continue. On continue. Vous protégez quelqu'un comme ça? Si c'était votre soeur, vous allez le protéger? Ces gens de personnes, on les dénonce à la police. Ces gens de personnes comme les Makoso, on les dénonce à la police. Ils doivent répondre à ces actes. On ne les protège pas. Parce qu'il va faire pire que ça. Il va faire pire que ça. Et aujourd'hui, en train de vous montrer son vrai visage, vous faites marche arrière. Que je t'ai protégé parce que tu es mon ami. Oui, quand ta femme était décédée là, tu es venu pleurnicher dans mon inbox. Je t'ai protégé, je t'ai couvert parce que nous avons une amitié honnête et honnêteté. Dieu vous voit, hein? Dieu vous voit. On va écouter ici. Attends. Je sais pas si j'ai l'autre. Attendez. Ça, c'est combien de... Parce que... Attendez. Et tu ne te parles pas de ton téléphone ici? C'est toi, attendez, que Guillaume soit avec sa vie? Attends. Toi, ta femme, quand elle est morte là, c'est ta femme? Et tu ne te parles pas de ton téléphone ici? C'est toi, attendez, que Guillaume soit avec sa vie? Toi, ta femme, quand elle est morte là, dans les conditions bizarroïdes là, tu l'as supplié ici de te soutenir. C'est toi qui as accusé Guillaume Soro? C'est toi qui as accusé Guillaume Soro? Dans un pays normal là, on doit te mettre en prison? Ta femme là, dans un pays normal. Dans un pays normal, si on t'a fouillé par le fond, ta femme là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux qu'on parle aussi de ça? Tu veux qu'on parle de ça aussi? Toi, tu vas attribuer un avatar à Guillaume Soro? Tu vois que la mort de ta femme sur ta conscience? On va parler beaucoup de choses. Hein? On va faire ça. Hein? Mais...
Mais on pouvait le mettre en prison. Je n'ai pas vu la vidéo où il a mis son audio là. C'est ce que je cherche. Où il a mis l'audio. On pouvait le mettre en prison. Si vous étiez sorti pour le dénoncer, vous allez mettre la main sur lui. Si vous étiez sorti pour les dénoncer là, mais ils allaient mettre Makoso, ils allaient mettre la main sur lui. Ils allaient mettre la main sur lui. Mais vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il a déposé un chèque. Parce que vous a payé la fermer votre bouche. Parce que vous là, on peut vous acheter facilement. Ils pouvaient vous acheter facilement. Raison pour laquelle là, vous vous êtes tué. Sinon, vous pouvez mettre la main sur lui. Si vous avez dénoncé, vous avez fermé votre bouche. C'est pas le moment de venir en parler, en fait. C'est pas le moment parce que vous êtes ridicule, en fait. Vous êtes ridicule, vous faites honte. Ce qui est dénonçable, là, vous ne dénoncez pas. Ce que vous devez dénoncer, là, vous ne dénoncez pas. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Oui, vous êtes méchant. Peut-être qu'on va fouiller, mais vous frappez votre femme aussi. Vous êtes les frappeurs de femmes. Peut-être que votre femme vous a mis à la porte. Parce que c'est vous, on va toujours dans la voiture. Mm-hmm. Vos vidéos sont toujours dans les voitures. Mais vous passez votre temps dans la voiture, vous dormez dans la voiture. Peut-être que vous n'avez même pas de maison. On va fouiller dans ça là. Vous qui le défendez, vous frappez votre femme. Vous êtes les frappeurs de femmes. Parce que seuls les criminels, seuls les frappeurs de femmes peuvent défendre quelqu'un qui porte la main à une femme. Vous n'êtes pas un exemple à suivre. Vous n'êtes pas un exemple à suivre, en fait. Vous êtes des frappeurs de femmes. Raison pour laquelle vous avez protégé ce vampire. Et aujourd'hui, il a les ailes. Aujourd'hui, là, il parle comme il veut. Voilà. Il vous dit ce qu'il veut. Il insulte Soro comme il veut. Parce que vous lui avez donné des ailes. Vous lui avez donné des ailes. Vous lui avez donné des ailes. Voilà. Vous n'êtes pas un exemple à suivre. Vous êtes des achetés. Mais c'est une honte. Quand vous venez parler de non, voici les vocaux de ta femme, voici les audios que tu nous envoies, vous n'avez pas honte. PT007 et puis tonton en voiture là, sous les de parler là, vous n'avez pas honte de revenir maintenant sur l'histoire de sa femme. Vous n'avez pas honte. Attends, non, parce que j'étais à votre passage, je vais avoir honte. Si j'étais à votre place, je vais avoir honte. Il a fait toutes ses bêtises. Jusqu'à il se jouait le boucantier. Il se jouait le milliardaire heureux. C'est-à-dire qu'il se tapait la poitrine. Il se disait tout. Lui et puis sa soeur. Pendant ce temps-là, en tout cas, pendant ça, sa soeur vous acclamait. Eh, mon vieux père sous les de Paris. Elle vous faisait les dédicaces. Mon vieux père, Peter 07. Eh, mon grand frère. Elle, tout le monde est son grand frère. Hein? Mm-hmm. Tout le monde, elle ne vieillit jamais. Elle ne vieillit jamais. Même quand elle voit un vieux, c'est son grand frère. Eh, mon grand frère. Comme il s'appelle là, tonton Natchacholi. Tonton la Tchatcholi, là, comment il s'appelle? Don Giovanni, oh mon grand frère, et tous les. Elle vous lance les dédicaces. Elle vous lance les dédicaces.
Déjà, on vous avait acheté. Déjà, là, on vous avait acheté. On voit Lolo Beauté ici deux jours là. La dernière fois, la dernière vidéo, elle a bien reçu depuis terre. Voilà. Parce que c'est des personnes. Elles jouent avec votre esprit. Elles finissent de jouer avec vous et puis elles vous jettent. C'est comme ça. Elles n'ont pas besoin d'amitié. Elles n'ont pas besoin d'amitié. Donc les personnes comme ça, il faut faire propre pour les donner. Il faut faire propre pour les donner. Si la honte pouvait tuer, si le ridicule pouvait tuer, attendez notre vidéo, mais c'est vous-même. Où il a mis l'audio là, c'est ça que je cherche. Attendez, où il a mis l'audio là, c'est ce que je cherche là. Peut-être c'est ça. Où il a mis l'audio là, c'est ça que je cherche. Hein. Je vais voir si c'est ça. Attendez, hein, je cherche. Ça fait, il y a un qui fait 4 minutes là, c'est ce que je cherche. Attends. Où il a mis, c'est où il a mis l'audio là que je cherche. Où Makoso pleurait dans ses oreilles là, c'est ce que je cherche. Il faut que je cherche ça. Attendez, restez concentrés. Je vais chercher ça. Il faut que je retrouve. On peut être vendu comme ça à Dama. On dirait que c'est ici. Attendez, je dois envoyer d'abord sur mon WhatsApp. Et puis je viens vers vous. Voilà. Pourquoi c'est maintenant vous qui êtes derrière lui? Pourquoi c'est maintenant vous avez oublié votre amitié? Ou bien ne vous paye plus? Ou bien le contrat est terminé, tonton en voiture? Tonton en volant, toujours au volant. C'est maintenant là que vous vous êtes rendu compte que c'est un faux pasteur. C'est maintenant que vous êtes rendu que vous êtes rendu compte que il marmaille ses fidèles à Dama. Vous n'étiez pas garçon. Atamira peut marcher avec les ailes sur l'épaule. Parce qu'il a affronté. C'est que vous n'étiez pas capable de le faire. Malgré les menaces, malgré les injures, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré ce que vous avez dit dans le secret de lui, malgré ce que vous l'avez traité dans le secret de lui, mais là, il est resté sur sa position parce que ce n'est pas un vendu comme vous. Parce que ce n'est pas un lâche. Débloquer qui l'a... Ouais, attendez, je vais la bloquer. Voilà, ma petite pète blanche. Pète blanche, voilà. Ce sont les envoyés. Pète blanche, ma chérie, dégage. Voilà. Tu vas voir, mais tu ne pourras pas commenter. C'est malheureux. Ils ont fini de vous sucer aujourd'hui, ils sont en train d'insulter votre, comment je peux dire, votre l'idole, comment on appelle, leader, voilà, aujourd'hui ils sont en train d'insulter votre leader, ça rentre dans votre seau, vous faites sortir vos griffes, hein, vous vous attendez à quoi? Vous pensez qu'il allait vous caresser? Il ne va pas vous caresser, il ne va pas vous caresser, vous pensez qu'il allait rire avec vous? Mais c'était qu'il était dans le problème là, qu'il avait besoin de vous. Quand ça chauffait sur lui là, quand il y avait feu sur ses fesses là, c'est là qu'il avait besoin de vous. Maintenant là, qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Il n'a plus besoin de vous. Il n'a plus besoin de votre aide. Il va faire ça propre pour vous donner. Voilà. Il va faire ça propre pour vous donner. Vous lui avez aidé. Est-ce que lui il a pensé à ça? Lui s'en fout. C'est quand il a besoin des gens là qu'il se fait tout petit. C'est quand il a besoin de toi là, qu'il se fait tout petit. On dit la main qui donne est toujours en bas. La main qui donne là est toujours en bas. Quand tu es dans le problème, tu ne peux pas faire gros cœur. Tu fais, c'est-à-dire que tu dois faire pitié. Tu dois faire pitié pour qu'on t'aide. Voilà, il vous a attiré par ses sentiments, par l'émotion, par sa tristesse. Et vous êtes tombé dans son piège. Et aujourd'hui, vous avez dit quoi?
Vous allez venir nous emmerder que oui, on sait que tu en fais partie de la mort de ta femme, c'est que ceci. Mais ça, c'est être hypocrite en fait. C'est de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Dans la vie, il faut être honnête. Et dire la vérité, rien que la vérité. Et dire, quand la personne a un sale caractère, mais il ne faut pas attendre que le pire va arriver et tu vas changer la veste. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Et vous avez la conscience de la mort de Tatania sur votre crâne. Vous qui avez protégé Makoso. Pardonnez, mettez le cœur parce qu'ils sont en train de signaler le direct là. S'il vous plaît. Attends, la vidéo est en train de charger ici. Ça charge. Mettez le cœur parce qu'ils sont en train de mettre les têtes de mort. Quand Makoso il est venu dire qu'on veut boycotter la dépouille de féministe Ahmed Bakayoko. J'ai fait le direct ici. J'ai fait le direct pour dire, c'est pas quelqu'un qui veut boycotter, c'est plutôt lui qui veut boycotter, comme il l'a fait au temps de Didier Arafat. C'est plutôt lui qui veut boycotter la dépouille du féministe Ahmed Bakayoko. Lui, il va protéger quoi sur Facebook? Il va protéger quoi sur Facebook? Qu'est-ce qu'il va maîtriser sur Facebook? C'est parce qu'il voulait boycotter. Sinon, qui veut boycotter? Il doit dire qui veut boycotter, qui voulait boycotter sa dépouille. Voilà. C'est la question qu'on devait lui poser. Qui voulait boycotter? C'est lui qui voulait boycotter. C'est lui. C'est pas quelqu'un, c'est lui qui voulait boycotter. Voilà. Attendez que ça charge ici. C'est en train, la vidéo est en train de charger, d'être chargée. Voilà. Je mets. Tatiana Makoso, quelle est morte ici là? Toi, tu es venu nous supplier de venir te défendre. Moi, j'ai pris sur moi. J'ai cru à notre amitié. J'ai cru à ton innocence. J'ai cru à ta sincérité. Je suis venu te défendre. J'ai été insulté par les Ivoiriens. 600 commentaires, là, il y avait 99 qui étaient insultes à mon égard. Tellement que tu es vomi en Côte d'Ivoire. Tellement que tu es rejeté. Tu es vomi et tu es honni en Côte d'Ivoire. Oui, je te l'ai dit. J'ai été insulté. Par des proches qui m'ont dit non, Soule ne fait pas ça. Ce monsieur-là, il n'en vaut pas la peine. Mais moi, j'ai pris sur moi, au nom de notre amitié. Mais toi, tu as le courage, tu as l'étoupée, tu as le cran de venir citer Guillaume Soro, parce qu'on t'a envoyé. Quand toi, ta femme est morte ici, là, les gens veulent. Attends, je te fais écouter les autres aussi. C'est important. C'est à la guerre comme à la guerre. Oui, c'est à la guerre comme à la guerre. Voilà. Je n'ai beaucoup de sauté, mais là, tu vois qu'il y a les limites. À la guerre comme à la guerre. Guillaume là, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade. Tout le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas pu. Toi tu peux pas. Tu es un plaisantin. Makoso, tu es un plaisantin. Tu es trop petit pour Guillaume, tu es un plaisantin. Comme Makoso. Ah, je vais écouter, on te fait écouter sur ton audio aussi. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que vous soyez là. Et puis on puisse me dénigrer de cette manière sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas accepter de montrer. Je ne peux pas accepter que vous soyez là et qu'on m'insulte de cette manière sur les réseaux sociaux. Et puis vous ne répondez pas partout. Toi, ta femme est décédée ici. Les débordés du Koufa. Des gens ont fait des vidéos en cascade pour dire que tu as tué ta femme. Il a failli des hommes. Moi, j'ai pris sur moi. Je vais te défendre. Mais 100% des Ivoiriens, le 90% des Ivoiriens, sont encore convaincus que tu as tué Tatiana Makoso. Ils sont convaincus de cela. Et donc, si je comprends bien, tu as alors, elle a devait avoir une couverture, un parapluie juridique. C'est ça? Si je comprends bien là, c'est pour camoufler que tu as devant ton carton LADP. Tu n'es pas attiré l'attention des gens? Il y a un problème là. On va t'écouter. Ton audio toi-même. Quand tu nous suppliais de te défendre quand ta femme est tombée. Mais moi, je l'ai fait au nom de notre amitié. Donc toi, tu n'as pas pensé à notre amitié. Tu vas attaquer Guillaume Soro. Mais c'est là même que je m'interroge. C'est des choses. Mais qu'est-ce qui s'est caché? Qu'est-ce qui s'est caché dans la mort de Tatiana Makoso? Tu me pousses à aller croire à ceux-là même qui t'ont accusé.
Tu me pousses à quoi? Mais quand je vois tes versions, Guillaume Sosba qui s'appuie, Guillaume Sosba qui s'appuie, c'est pas celui qui t'a quitté, n'était pas t'a quitté, c'est celui qui colaté, non, c'est celui qui colaté. Donc tes versions changent. Donc moi je m'interroge, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a une vérité que tu caches tout le temps. Tantôt c'est pas toi, tantôt c'est toi. Mais moi j'ai pris ta défense ici. Mais là je vois que tu n'es pas vrai. On va écouter une vidéo. On va écouter une vidéo. On va écouter une vidéo. Tu vas voir que les Chinois, les Français, ils t'ont pas laissé. On va écouter des sommités musicales. On va écouter ici. Ça, la vidéo, c'est la vidéo de Didi. Et comment il s'appelle? La vidéo de. Comment je peux dire? La vidéo de Bordeaux. La vidéo de Bordeaux. Où de Bordeaux était sorti pour dire la vérité sur Makoso. Pour dire la vérité sur la mort de sa femme. Donc c'est si sa vérité, si la vidéo là, il veut faire marche arrière pour faire écouter. Mais de Bordeaux n'a pas été lâche. Il n'a pas été lâche. Même si aujourd'hui c'est excusé. Même s'il a demandé pardon, mais il a dit ses vérités. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté dans l'ombre, en train de l'applaudir. Et vous pensez qu'il va vous faire cadeau? Vous pensez qu'il va vous faire cadeau? Que vous avez dit que Makoso fait amitié avec les gens? Quand Makoso, quand la famille Makoso fait amitié, c'est par intérêt. Quand il vient faire amitié avec toi, là, c'est par intérêt. Ou bien il a besoin de défense, il a besoin d'aide. C'est qu'il a besoin de toi, il vient vers toi. Vous pensez qu'il était venu par hasard? Non. Maintenant, il fait ça propre pour vous donner. Voilà. Et ça rentre dans votre corps. Mais continuez de le protéger. Il vous montre son vrai visage. Quand c'est la guerre contre la guerre. Vous n'avez pas honte. Allô? Allô? Oui, allô? Salut, Lova. Salut. Je peux intervenir? Oui. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Merci, chapeau à toi. Merci. Tu sais, la vérité prend toujours les escaliers. C'est ça. Et le mensonge prend les choses, l'ascenseur. Aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko Samola, c'est une délivrance de tout ce qui se passait dans l'ombre. C'est ça. C'est une délivrance pour voir réellement qui est le gouvernement, qui est Makoso. C'est ça. Tu sais, c'est les sorciers entre eux qui se bouffent. Vous, sous les de Paris, et Peter 007, si vous avez défendu Makoso, ça veut dire que votre type là, votre Soros, c'est un criminel. Ah, voilà ça, hein. Vous défendez toujours les criminels. Aujourd'hui, tous les de Paris ne peuvent pas se lever pour dire que j'étais défendu. Qui savait qui il était dans le fond. Vraiment. Défendu. Donc aujourd'hui là, vous tous, vous êtes la même chose. D'accord. C'est pas Makoso celui qui est criminel. Solo Diome est criminel. C'est le même plan. Est criminel. C'est ça. Tous font des bandes. Comme la Côte d'Ivoire, là, Dieu va encore frapper. C'est ça. Dieu va les dévoiler. Cette dame qui est morte, et puis le monde entier saigne, et puis vous le défendez, sa maman aussi est morte dedans. Vous pensez que c'est en vain, mais le Seigneur va vous enlever un à un. Vraiment. Le Seigneur va vous frapper un à un. Et ça a commencé. Et ça a commencé. Toi, Makoso, je t'ai dit que c'est ton autre seul qui va rester. Ta chair va tomber. Ta chair va tomber, tu diras la vérité aux Ivoiriens. Donc, quand on perd sa femme, on envoie notre avocat pour la protection. Vraiment? Si tu te reproches rien, question. Voici le petit artiste qui a perdu sa femme. Il a envoyé notre avocat à qui? Personne. Ça veut dire qu'il ne se reproche rien? Bien sûr. Et on est dans cette affaire, et puis tu as des protecteurs dans le gouvernement. Attends. Voici aujourd'hui, ton bras droit est tombé. Voici là où on va t'atteindre. Là où on va t'atteindre, ça arrive. Après l'enterrement d'Ahmed Bakayoko, il était dit qu'il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Ils vont se dévoiler. Ils vont se dévoiler one to one.
ça commence à venir. Donc vraiment, merci beaucoup. Tu as été toujours dans ton coin, tu as été toujours dans ta franchise parce que tu es une femme. Tu ne peux pas voir des injustices faites à une femme et tu vas rester tranquille. C'est ça qui est la vérité. Et ils t'ont même attaqué la nuit. Ils sont venus en spirituel pour te finir. Mais Dieu a ta main, Dieu a sa main sur toi. Ils n'ont pas pu. Ah, enfant de Dieu, je ne tape pas poteau. Ils n'ont pas pu. Voici une chose. Le restaurant, tu commences à être vidé. Sorcier que vous êtes. Vampirisme que vous êtes. Faut battre bien aujourd'hui. Battre bien demain. Trop, c'est trop. Trop, la c'est trop. Voilà. Pendant 10 ans, vous avez fait la criminalité en Côte d'Ivoire. On va saisir la drogue, tu vas dire que ma femme me manque, tu vas pleurer. Imbécile. La femme sur Brooklyn, elle est morte. Mais vous allez voir clair, ma fille, le Seigneur va encore travailler. Ah, en tout cas. Je te dis merci beaucoup pour ce que tu fais. Mais ils comprendront, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Tous ceux-mêmes qui l'ont soutenu là, un à un, Dieu va les dévoiler. C'est ça. Ça commence. C'est ça. Ça commence. C'est ça. Voici la dame, les douanes, est-ce qu'aujourd'hui elle parle? Elle ne parle pas. Voilà, elle a reçu sa dose. Elle a, aïe, c'est pas elle qui était la première, non, non, voilà, non, 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 elle a pris sa dose. Elle a pris sa, c'est comme ça le Seigneur. Dieu, il frappe à une autre manière. C'est ça. Donc, je te dis merci, je vais te laisser continuer. De que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Amen, 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 amen. Bon week-end. Voilà. Vous avez commencé à vous dévoiler sans que on ne vous demande. On dit chaque chose en son temps. Dieu là, il agit lentement. Il agit lentement. Et là, ça a commencé à te piquer. Que non, tu insultes mon qui, tu insultes mon ça. Il avait dit qu'il avait besoin de vous. Il avait dit qu'il avait besoin de vous. Il n'avait pas besoin de vous. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Il a besoin de protection. Pourquoi? Pourquoi il voulait qu'on le défende? Pourquoi il voulait que vous le défendiez? Vous n'avez pas posé cette question pour savoir pourquoi il veut cette défense. Vous ne lui avez pas posé cette question. Pourquoi il veut cette protection? Parce que il a avancé de l'argent, hein? Parce que je sais que vous ne l'avez pas protégé pour rien. Vous ne l'avez pas aidé pour rien, sans que vous donne de l'argent. Oh, les marabouts là, vous me dérangez franchement. Aïe, j'aime pas. Vous lui avez posé quoi comme question? Avec le thé qui va avec. Tonton en voiture, lorsque Makosso est rentré en contact avec toi, et puis t'a demandé, j'ai dit à faire des téléphones à un code là, vraiment, le temps je vais décrocher là, appel est coupé. Allô? Oui, allô. Papa, oui, oui, bonsoir. Allô. Oui, allô. Vous m'entendez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, Lova Lova, comment vas-tu? Bien, merci, et vous? Oh, ça va. Eh, hey, Lova Lova, on peut être chic comme ça. On peut être chic comme ça, attends. Donne-moi ton secret. Eh, hey, le secret est déjà là. Le secret est là, ma chérie. Merci. Non, ton secret est que c'est la vérité qui brille sur toi. Comme merci ça, quand beaucoup. On n'est pas dans le mensonge, il brille toujours. C'est ça. Là-bas. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. En fait, moi, ce que j'aimerais demander, Makosso, il est pasteur ou bien il est politicien? Il est politicien. Il n'a qu'à choisir un, mais franchement, le terrain qu'il a pris là, c'est très glissant pour lui. Tu vois un peu. En plus, il est en train de mettre les gens dans des problèmes. C'est ça.
les ministres, etc., etc. Il est en train de les mettre dans des problèmes pour rien. Et ce qu'on prend comme amusement là, en tout cas, il est en train il est en train de frapper fort. Lui-même, il est en train de se créer des problèmes pour rien. Au lieu de rester dans ton petit coin, s'occuper de tes enfants, tu te mêles de la politique. Pourtant, eux-mêmes, là, dans la politique, là, ça ne va pas. Entre eux-mêmes, ça ne va pas. Et aujourd'hui, tu viens, tu dévoiles les gens, tu racontes du n'importe quoi, que toi, tu es un marmailleur, machin. Mais ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas bon. La vie, là, il faut se protéger. C'est ça. Tu vois? Moi, en tout cas, excusez-moi, moi, je vois que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a ce genre de bordel. Ah, vraiment? Excusez-moi, je comprends pourquoi dans mon pays... Franchement, les ministres n'aiment pas que les peuples s'approchent d'eux à cause de tous ces désordres. Lui-même, il était parti dans notre pays. Mais vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Togolais, mais attends. Madame? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous venez de quel pays? Oui, je vous entends. Vous venez de quel pays, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Enfin, je demande que vous venez de quel pays? Ah oui, moi je viens du Togo. Ah ok, Sobeda. Oui, mais Makoso même, il a été chez nous, il a vu, il a voulu nous marmailler, mais franchement, personne n'est pas tombé. Ah bon, hein? Tu vois un peu, donc il n'a qu'à nous dire. Ah. Il n'a qu'à nous dire s'il est pasteur ou bien il est politicien. Nous, on veut comprendre. C'est un politicien. Ouais. Moi, je confirme que c'est un politicien. Je prophétise, c'est un politicien. Merci, ma chérie. Bonne soirée et bon week-end. En tout cas, tu zoos bien. Hey, en fait, zoos comme ça, à Tama. Avec ça, le corona a tout gâté, on ne peut pas sortir, tout est fermé. Eh, hey, Seigneur! Eh! Hey. Au revoir! Au revoir, ma chérie! Au revoir! Voilà! Moi, je vous confirme que ce n'est pas un pasteur. La belle d'Afrique, elle dit Togo. Ah, ok, oui, j'ai compris. Je vous confirme que il n'est pas pasteur, c'est un politicien. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, je vous ai dit ici, quand on vous parle, vous pensez que non, c'est parce que l'OVA exagère. C'est parce que l'OVA exagère. Vous-même, vous avez vu, vous avez confirmé. Vous avez confirmé. Vous avez confirmé. Mais c'est pas ça mon problème, en fait. C'est pas ça qu'il soit politicien, qu'il soit je ne sais quoi, ça, c'est son problème. Mais je dis, les personnes qui l'ont soutenu, les personnes qui l'ont protégé dans ce problème-là sont des complices. Parce que si on veut leurs complices, là, vous pensez que, genre, vous allez venir dire, il n'y a qu'à vous protéger, protéger le puits, mettre les audios là. Mais attends, lui aussi, là, ça parle de vérité. Voilà. Il va venir dire qu'il vous a payé. Il vous a donné de l'argent. Vous vous attendez à quoi? Hein? C'est lancé. Mais c'est, en fait, c'est une honte, quoi. C'est vraiment une honte. Et moi, je trouve que vous ne devrez même pas encore venir parler de ça. Pendant combien de mois? Bientôt un an. Bientôt, là, ça va faire un an que la femme est décédée. Et après, la femme, il y a eu deux décès. Où sa sœur est venue danser ici. Se réjouit de la mort. Vous étiez là. Quand ils attaquaient la belle femme, sa belle-mère, la pauvre, qui n'avait pas de défense, vous avez fermé votre gueule. Pourquoi c'est bientôt un an que la femme est décédée, que vous allez venir maintenant vous jouer les avocats après la mort? Mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'on avait voulu que tous les blogueurs se mettent ensemble pour réclamer justice. Pour dire justice soit faite, c'est la mort de cette dame. Mais, chacun restait dans son coin. Et nous, comme on ne veut pas qu'on nous marmaille, on était trois personnes qui restaient dans cette histoire au finish.
Moi, Choco Atamira. Et puis le pasteur, là, j'ai oublié son nom. Pasteur qui l'a surnommé Bab Jaune. Que j'ai oublié son nom. Le pasteur Étienne. C'est nous trois là, notre nom est resté dedans. Oui, notre nom est resté dedans. Parce qu'on allait jusqu'au bout. Nous ne sommes pas restés dans sa marmaille. Il ne nous a pas intimidés. Oui, il ne nous a pas intimidés. Mais vous, qui avez l'art de la parole, oui, vous qui avez l'art de la parole. Mais quand j'analyse aussi, je dis, mais vous faites partie des femmes qui frappent les femmes dans leur foyer. Vous faites partie des hommes, excusez-moi. Vous faites partie des hommes qui abattent les femmes dans leur foyer, puis ça ne va nulle part. Quand on remet tonton en voiture, sous le départ, quand on va fouiller là, peut-être que toi-même là, parce que tu es toujours dans la voiture en train de faire vidéo seulement, peut-être que ma batterie est déchargée. Déchargée, hein? Donc peut-être que je vais devoir vous laisser bientôt, ma batterie est déchargée. Quand on va fouiller là, peut-être que toi-même tu frappes ta femme. Hein, qui peut me charger un, qui peut me chercher un rallonge là-bas? Mon téléphone est déchargé. Je ne sais pas ici à combien de pourcents. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu m'entends très bien? Oui. Je t'appelais pour juste dire des petits mots à propos de... Vous voulez intervenir? Parce que j'avais mis sur vos parleurs. Ok. Et une minute, tu vas chercher. Intervenir. D'accord. Bon, en fait, j'ai pas tellement grand chose à dire. Oui. Mais c'est juste pour apporter une petite vision. D'accord. De la chose. Tous nous savons bien que Emma Kosso est un partisan du moins d'efforts. Ok. C'est-à-dire, Emma Kosso ne souffre pas pour avoir. Mm-hmm. Tu vois? Oui, oui. Emma Kosso, lui. Ouais, il ne souffre pas pour avoir. Donc, tout ce qu'il a, mm-hmm. c'est par la, à la sueur du front des autres personnes qui gagnent l'argent. Maintenant, le gouvernement qui est en place, mm-hmm. le gouvernement qui se dit qu'un gouvernement d'intelligence, un gouvernement des personnes intelligentes, mm-hmm. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi ce ministre, ces deux ministres-là, hein? Mmh. Quel nom est cité dans l'affaire de Makosso? Mmh. Pourquoi ces deux ministres-là? Alors que ces deux ministres-là, ils savent, ils veulent dire que depuis qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais écouté Makosso sur les chaînes de radio, de télévision, ou mais c'est Konoré qui raconte toute sa maman, comment c'est folle, qui chante à longueur de journée, et puis ils sont amis avec lui. Vraiment? Ils sont amis avec lui pour quel but? Ouais, parce que moi, je comprends des gens qui sont des gens que le peuple vous l'a choisi pour mettre là et que le peuple vous paye, vous parlez du peuple et puis vous sympathisez avec un voleur. Ça veut dire que la télé. Ça veut dire que d'une part et d'autre, ce gouvernement, mm-hmm. vraiment, ils n'ont qu'à vraiment faire un nettoyage. Ça suffit de toujours que des ministres de sympathiser avec des voleurs. Mm-hmm. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça un truc. Hein. Mm-hmm. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça un truc. Hein. Parce que sinon, le ministre même, ils sont rares pour pouvoir discuter avec mm-hmm. les gens dans la rue. Ils sont rares parce que un ministre doit faire ce qu'il doit respecter. Mm-hmm. Un ministre ne divulgue pas son numéro de téléphone à n'importe qui. C'est ça. Et vous savez que Makosso était un grand délinquant du grand chemin. Mm-hmm. Et vous partez sympathiser avec lui. Vous partez sympathiser avec lui dans quel but? Ça passe tout cela. Ils sont dans le même trafic de Makosso. Tous ceux-là sont dans le même trafic. Tous mm-hmm. ceux-là. Aujourd'hui, on parle de drogue là. Et tous, ils sont dedans. C'est ça. Si on fait bien Makosso, il garde le secret. Mm-hmm. Pourquoi ces ministres, ils ne se lèvent pas pour venir prendre le micro pour dire que non, pour se défendre, pour dire non. Viens avec le chargeur aussi, s'il te plaît. On ne peut pas Makosso pour parler de nous comme ça. Nous sommes de grandes personnalités. Pourquoi ils ne se défendent? Parce que tous ceux, ils ne font pas mm-hmm. du même réseau. Et parce que comme ils sont venus dans la facilité, mm-hmm. donc
tout ce qu'ils gagnent, elles donnent ces français pour eux. Donc, elles, ils s'en foutent du peuple. Elles sont là pour se faire la poche. Sur la sueur des fronts du peuple. C'est tout. Oui, oui. Envoie-moi le chargeur, s'il te plaît. Pour ça, les Makusso, et moi, je ne sais pas pourquoi les gens, ils sont tous se lamenter. T'as pas le ralent, ici, c'est trop noir. Et puis, d'abord, moi, ce que je vais dire, ceux qui sont séparatistes, moi, qui dépendent de l'émotion, Makusso, tous ceux-là, ils sont complices. C'est ça. Envoie-moi juste le rallonge. Oh, il coupe le téléphone. Oui. T'as vite envoie le rallonge, le téléphone va se décharger. Envoie le chargeur. Non, pas ce chargeur, le chargeur de Samsung, le petit bout. Le téléphone va se décharger. Ça y est en haut là-bas. Ils sont complices. Donc, pour arriver à une bonne fin, vaut mieux que, au point de chacun, on fait un grand nettoyage. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que je mets le téléphone va s'éteindre? Merci. Merci beaucoup. Oh, le téléphone voulait se décharger. Au revoir, monsieur. Désolée, j'étais un peu distraite. J'étais un peu distraite parce que le téléphone voulait se décharger là. Oh my God, j'étais un peu troublée parce que le téléphone s'éteint. Maintenant, j'ai mis en charge. Voilà. Voilà. Donc, où j'ai laissé le téléphone là? Voilà, j'ai mis en charge, j'ai mis le téléphone en charge. Voilà. T'as pas vu le rallonge là? Ah, ok. Donc, famille, voilà. Dans la vie, il faut être honnête. Tu ne peux pas regarder l'argent pour mettre la vie des autres en danger. Il faut être honnête. Quand tu es honnête dans tout ce que tu fais là, Dieu te bénit. Il te donne, c'est-à-dire qu'il te donne tout ce que tu veux. Mais quand tu es malhonnête, quand tu n'es pas honnête, rien ne marche dans ta vie. Trop de blocages qui te sauvent. Aujourd'hui, j'ai honte pour ces personnes-là. Vous faites honte. Vous devrez même avoir honte même de venir parler même encore de cette histoire. Parce que les gens même là, ils n'ont même plus besoin de vous. Le temps où on avait besoin de vous là, vous n'étiez pas là. Vous étiez là, mais vous avez fermé vos bouches. Vous étiez là, mais vous l'avez fermé. Ou c'est trop tard là. Où j'ai eu des morts. Pourquoi c'est là maintenant? Vous sortez. Pourquoi c'est là maintenant? Vous faites sortir les audios. Parce qu'il a eu à s'attaquer à X. Parce qu'il a eu à s'attaquer à Y. Donc maintenant là, vous allez faire sortir ce qu'il vous a dit pendant que sa femme est décédée. Mais vous êtes ses complices. Vous êtes ses complices. Parce que celui qui protège un criminel est un criminel. Celui qui protège un assassin est un assassin. Et vous êtes des criminels. Ils ont mis les doudes. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Je souhaiterais intervenir si c'est possible. D'accord, on vous écoute madame. Oui, alors je voulais dire, en tout cas merci, vous avez toujours gardé la ligne, même ligne de conduite depuis le début. De rien. Vous n'avez jamais varié et ça c'est admirable.
Je voulais aussi dire pour par rapport à Madame Tatiana Kosseré, oui. Je préfère dire Madame Tatiana Kosseré. Il y a certains cyberactivistes qui n'ont pas, en tout cas qui n'ont pas incriminé Monsieur Makosso, mais si vous aviez écouté le direct qu'a fait Soulé de Paris à ce sujet, il n'a pas défendu Makosso. Il a dit à ceux qui étaient en train de s'en prendre à lui d'attendre l'enterrement. On ne savait pas qu'il y allait avoir l'autopsie, que ça allait durer. Il a dit d'attendre et qu'après, il pouvait faire ça. Mais il n'a pas défendu Makosso. J'ai regardé le direct. Pour les autres qui l'ont soutenu, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont retirés parce qu'ils ont compris. Mais c'est trop tard puisqu'il les a eus. Il a profité des moments d'émotion pour rentrer dans leur index, pour pouvoir avoir cette compassion de leur part. Mais c'est la même chose qu'il a fait à Soulé de Paris. Sur le net, c'était le plus fort. Aujourd'hui, ils sont dans une mauvaise position par rapport à lui. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ce monsieur rentre en contact avec eux dans leur téléphone. Sachant qu'on dit qu'aujourd'hui, un téléphone, même si moi je vous appelle ou quoi que ce soit, du moment où vous communiquez à quelqu'un, vous pouvez pirater le téléphone de la personne. Rien qu'un appel, vous pouvez pirater. Et ces gens discutent avec ce monsieur qui a avoué sur une antenne publique de Côte d'Ivoire qu'il a été pillé et mandaté par le pouvoir pour distraire le peuple ivoirien pendant les élections. Pendant la mort de monsieur, pendant l'enterrement de monsieur Ahmed Bakayoko, qui se pose des questions sur monsieur Makosso. S'il croit qu'il est protégé, un jour va arriver, je ne le souhaite pas, mais on va entendre ce monsieur, il s'est pendu. Qu'il protège ses enfants, qu'il protège sa famille. S'il veut pas lui, s'il veut s'exposer lui, qu'il amène les enfants faire leur vie ailleurs, qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient tranquilles. Parce que ce n'est pas que lui, ses enfants, c'est aussi les enfants de cette dame qui est partie. Donc il faut qu'ils prennent conscience. Et posez-vous la question, madame, il y a un truc qui est très, très, très similaire et très étrange. Quand ils ont enterré madame Kosseré, la mort foudroyante de sa maman, la mort foudroyante du tonton, la mort foudroyante de Ahmed Bakayoko. Ça vous étonne pas? Mais moi j'avais fait une vidéo. Voilà. Vous m'écoutez, madame? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, moi j'avais fait une vidéo où j'ai dit que la mort de Ahmed Bakayoko, même s'il est mort par poison, même il est mort par je ne sais quoi, mais il y a une part que la femme de Makosso est venue le chercher aussi parce qu'il en fait partie. Ah voilà. Je n'ai pas caché mes mots. Parce que quand sa femme est décédée, quand la femme de Makosso est décédée, il a donné 10 millions à Makosso pour organiser les funérailles de sa femme. C'est vrai. Oui. Donc, moi j'ai dit, moi j'ai dit toujours, moi je préviens. C'est ça. Voilà. Mais si on parle de cette histoire de poison et de la mort aussi foudroyante de ces personnes-là, il faut s'intéresser de près à ce monsieur Makosso. Il faut faire très attention aux gens qui le côtoient. Et même cette fille créole qui se pose des questions sur Makosso. Qui arrive comme ça et que plein de choses arrivent en même temps. Même les Gabonais, il faut qu'ils se méfient. Parce que cette fille, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe. C'est trop flagrant. Elle ne vient pas pour de la musique. Elle vient pour être riche, pour être vue, pour être une influenceuse, pour faire comme les autres. C'est ça qu'elle veut. Mais par quoi elle est capable d'aller aussi loin? Même la soeur de M. Makosso, qui vient danser après la mort des gens. Ces gens, si son frère a été payé, ça veut dire qu'elle aussi, elle a été payée pour ça. Je voudrais juste lancer un message, madame, avant d'arrêter. Ok. À quelqu'un que j'aime beaucoup, que je regarde sur le net, c'est Apoutou. Dans plusieurs vidéos, il a dit, quand j'ai besoin de 1000 euros, quand j'ai besoin de ça, tu me donnes. Qu'il fasse attention. Mais lui, il est... Je vous coupe pas la parole, mais les Apoutou et autres, là, ils étaient tous les défenseurs de Makosso.
Voilà. Donc si aujourd'hui Makoso lui donne les miettes, lui donne ceci, c'est normal. Parce qu'il a toujours défendu. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais qu'il fasse attention, très attention. Ce qui arrive aujourd'hui au soulet de Paris, là, si quelqu'un te donne 1000 euros et qu'un jour, il se passe quoi que ce soit que tu veux dénoncer, tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Non. Tu peux pas parler? Non. Parce que cette personne t'a donné... On a vu Bravador aujourd'hui. Quelle déception. Mais quelle déception. C'est une honte. Parce que... une honte. Parce qu'il y a de la connivence, ce monsieur. Comme le parti au pouvoir a payé tout le monde, il a payé tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer, comme des gens comme les Soulon, les Peter, ou les Don Giovanni, ou quoi que ce soit. Mais il les a marmaillés, comme il dit. Tous. Il les a tous eus. Et ça, c'est pareil. Tu peux vendre des pommades jusqu'à acheter des bâtiments. Mais il faut respecter les Ivoiriens, quand même. Il faut respecter les Ivoiriens. Mais toutes ces personnes, excusez-moi madame, toutes ces personnes, que ce soit Soulé de Paris, que ce soit PTPT07 ou les Don Giovanni, c'est des personnes qu'il est rentré en contact avec eux lorsqu'il a perdu sa femme pour les supplier de le protéger, de le défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, voilà. C'est pour cela que quand je suis tombée sur la vidéo, j'ai dit mais c'est pas normal. C'est pas normal de protéger un délinquant, et parce que aujourd'hui il est en train d'insulter Awata, Chris Yapi ou bien Yapo là, et ils vont sortir maintenant pour venir parler de la femme de Makoso, pour venir dire non, que ce qu'on te suspecte d'avoir tué ta femme, voici les audios que tu nous envoyais. Vous avez vu, c'est vraiment c'est être hypocrite, c'est être malhonnête, c'est la méchanceté. Et voilà. Il devrait s'attaquer sur un autre plan parce que voilà. Eux, ils sont tombés dans le piège de Makoso. Parce que quand quelqu'un vient vers toi, excuse-moi madame, quand quelqu'un vient vers toi, il pèse sa femme, tu sais que tu n'as rien à voir dans la mort de ta femme. Est-ce que tu as besoin de passer par les blogueurs pour qu'ils te, comment dirais-je, ils te protègent, pour qu'ils te défendent? Tu te reproches quoi? Tu te reproches quoi? Rien. Donc tu restes dans ton coin, même si les gens sont venus t'accuser, tu sais que tu ne te reproches rien, donc tu n'as pas de défense à demander à qui que ce soit. Donc c'était un peu voilà le but de ma vidéo, madame. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi et bon week-end. Bisous. Au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir. Ah, le direct est trop chic. Même si on n'est pas beaucoup, nous, on ne regarde pas le nombre de personnes qui nous suivent. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, comment ça va? C'est Arcange. S'il vous plaît? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Est-ce que vous êtes là? Oui, je vous écoute, oui. Madame. Je vous écoute. Oui. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Un gros merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, je te dis un gros merci. Chapeau, hein, chapeau. Merci beaucoup. Tu le fais vraiment bien. Merci. En tout cas, le volume est bon. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je voulais souligner, c'est vraiment ça. Quand tu as parlé de la pauvre maman qui criait, vraiment, ça m'a arraché le cœur. J'ai même coulé des larmes, je t'ai dit, Lova. Vraiment, ils ont été très méchants. Ça a été méchant. La pauvre maman n'a pas été écoutée aujourd'hui, elle est morte. Et maintenant, ils viennent s'asseoir juste parce que Makoso, le menteur, le marmailleur, a dit aujourd'hui que c'est Chris Yapi, c'est comment dirais-je, c'est Soro. Aujourd'hui, et tout ça, ils vont vous venir maintenant pour dire qu'on savait que c'est toi qui as tué ta femme. Vous voyez ça? C'est trop méchant. Au moment où la pauvre dame se sentait, elle voulait que vous parliez pour elle. Vous avez refusé de la soutenir. Maintenant, quand on dit le nom de Soro, aujourd'hui, vous sentez vos griffes. Vraiment. Et donc, je voulais te dire que ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Validé. On dit oui, c'est tous des tueurs. C'est tous des batteurs de femmes. C'est tous des tueurs. Ils sont tous assassins. C'est ça. Parce que,
les sous les paris qu'on sort là, c'est eux, ils ont été rebelles avant d'aller soutenir Soro Rebelle. Ah. Donc, c'est tous des membres de, ils sont tous des bandes de rebelles. Le groupe de rebelles. Donc, ça ne nous surprend pas. Si aujourd'hui ils sortent pour venir parler comme ça, c'est parce que c'est la réalité, ça ne nous surprend pas. Il a fallu aujourd'hui pour que Dieu fasse que aujourd'hui là, ils viennent sortir la vérité. C'est ça. Tu vas beau mentir, mais un jour, la vérité va triompher. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils devraient avoir honte, la honte de leur vie. C'est très bien même depuis la ferme, on est venu de venir parler pour dire, non, tu as tué ta femme. Aujourd'hui, ils savent que ma cousine a tué sa femme. Ha. Et tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Hein? Tout le monde a parlé. Atamira Choco, même, il a crié haut et fort. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des mères, ils ont eu des femmes aussi. C'est ils ça. Ont eu des mamans. Ils ont eu des sœurs. Si Marcoso aujourd'hui l'a tué, Koseré, ça veut dire qu'il peut tuer d'autres femmes. Mais oui. Il peut encore faire pire. Parce qu'il lui-même, dans son cœur, là, c'est un rebelle, c'est un assassin de nature. Donc, tout sa maman qui fait là, c'est pour exterminer la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils arrêtent de pouvoir défendre un rebelle, un tueur en série. Hein? Marcoso a été toujours un diable. Tu sais même si c'est pas lui qui allait empoisonner Baraïbo. Question. C'est son ami, peut-être que c'est lui-même Alassane a envoyé pour aller empoisonner Bakayoko. Question. Oui, en même temps, il n'a pas fait des choses. Il a fait plein de choses, mais il ne peut pas mourir comme ça. Nous, on voulait qu'Ahmed Bakayoko, là, il vive pour qu'il voie la gloire de Dieu, pour que Bakayoko soit libéré et qu'il voie que Dieu existe. C'est ce que nous, on voulait. On ne souhaitait pas la mort de Bakayoko. Il allait, ils sont allés finir la vie du monsieur Kado comme ça. Il est mort brutalement. On ne voulait pas, nous-mêmes on prie pour eux, on veut qu'ils vivent, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Ils vont voir, ma consommée qui s'est dit qu'il est homme de Dieu, un vampire comme ça, diable là, il dit qu'il est. Tu joues avec le nom de Dieu, mais Dieu va vous montrer. Il va vous montrer qu'il est vivant. Vraiment, je te dis un gros merci. Merci donc, à vous. Dieu aussi. Aux de Paris là, qu'ils n'ont pas gardé la parole là pour, on n'a pas besoin de ça. C'est nous, ça même. Ça, déjà, là, ils n'ont pas gardé ça. C'est ça. Qu'ils soient tous vaincus. Ah, au nom de Jésus. Merci et bon week-end. Donc voilà. Ce sont des hypocrites cachés. L'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est trop tard. On n'a plus besoin. C'est trop tard. Ce que vous avez fait là, c'est très méchant. Et la honte là s'est versée sur ton visage. Tonton en voiture. Tonton en voiture, toujours dans voiture. Peut-être qu'on va faire que tu as frappé ta femme jusqu'à ta mise dehors. Donc tu passes tout ton temps dans ta voiture. Tu passes ton temps dans la voiture seulement. Parce que ta femme t'a foutu à la porte. Avec ce lourd comportement là. Ce lourd comportement. Seul le frappeur de femme protège un homme qui frappe la femme. Seul le frappeur de femme, le maltraiteur de femme, protège un criminel qui porte la main à une femme. Mais, nous avons une question à vous poser. PTPT 07, sous le de Paris, Don Giovanni, c'est le groupe de frappeurs de femmes. Lorsque la personne il a perdu sa femme, il est rentré en contact avec vous pour demander de l'aide, pour demander la protection. Quelle question vous lui avez posée? Mais pourquoi tu veux la protection? Tu es une personne, tu es une personnalité publique. C'est normal que les gens ils vont essayer de parler dans ton histoire. Excusez-moi. On n'est pas beaucoup, mais le direct devient intéressant. Oh là là. Attends, il y a quelqu'un qui a appelé là. Le temps je voulais décrocher, ça s'est coupé. Allô? Oui? Comment tu vas, chérie? Je vais bien, merci. Et vous? C'est trop stylé ce soir. Merci, on est vendredi. Hein? Même si on ne sort pas pour aller en boîte, on va s'asseoir devant notre caméra pour se jouer les stars. C'est le ça qu'il s'agit. On peut déjà comme ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup. De rien, merci de rien. Pour tout ce que tu fais. Hein. Vraiment, de rien, merci. De rien. Mais moi, la question que je pose, oui.
Voilà, ce Makoso là, il sait pourquoi il n'a pas été. Si vous avez remarqué un peu, le jour où on devait faire venir Bakayoko, c'est là il a mis bombe. C'est-à-dire, il a créé une situation pour ne pas s'approcher de. C'est ça. Oui, j'avais dit ça. Voilà, il a créé une situation, soi-disant, c'est l'État qui l'a envoyé d'aller. De sécuriser. Il pour des bêtes parce que le monsieur, il sait ce qu'il a fait, il a quelque chose à voir, c'est il n'y a rien à faire. Parce que comment une personne qui a été là pour toi, à cause de qui vous levez les épaules, vous dites qu'il n'y a personne et puis il n'y a rien. Ce monsieur tombe et il ne s'est pas approché jusqu'à ce qu'on parte enterrer le monsieur, il ne s'est pas approché. Et là, il s'est calmé parce que l'enterrement a été fait. C'est fini là. Donc vraiment, c'est trop flagrant tout ça. Quoi. Voilà. Donc, ben, à qui le tour? On n'a pas encore, puisque c'est entre eux là-bas. C'est lui. Mais on verra. Hein. C'est lui le tour. En tout cas, la fois dernière, j'ai regardé ton direct où ils t'ont poursuivi. Là, qu'est-ce qu'ils sont vaincus? Ils sont vaincus. Ils ne pourront pas. Ceux qui prennent pour mouton, là. Quand j'ai beaucoup de brebis, s'ils en voulaient. Le teint est trop dur. Même la nuit, ça y est, ça frappe. C'est le teint de 5 heures du matin. C'est un teint de 5 heures. Tu n'as pas besoin de lumière. Il n'a pas voulu le faire, mais lui, là, t'aimes la joie, il va le faire. Hein. C'est ça. Il va le vendre. En tout cas, continue comme merci ça. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Mais je toujours pense, en prière, alors... toujours en prière, parce que ceux-là où ils mettent les mains, là, ils sont tellement trucs que... Voilà, il sait pourquoi il ne s'est pas approché jusqu'à ce qu'on enterre le monsieur. C'est ça. On va faire entre eux là-bas, ça va se passer. C'est entre eux là-bas, nous on est assis par terre, on les regarde. En tout cas, merci beaucoup encore. Merci. Et bonne soirée. Hein. Merci également. Bonne continuation. Bon week-end. Oui. Au revoir. On peut déjà comme ça le teint qui va avec. Parce que, écoutez bien, il a fait son interview aujourd'hui à... comment on appelle, les accusés, levez-vous. Lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi tu n'es pas allé à Séguéla? D'après lui, il n'aime pas trop la foule que vous avez vue. Escrodo, l'ami de Didier Arafat, il s'appelle comment? Le blanc là. Escobar, il s'appelle comment même? Brador, hein? Badora, hein? Badro, oui, il a dit vous voyez Badro, non, parce que quand Badro arrivait, il y avait la foule derrière lui, il y avait les gens qui le suivaient, Brado, mais c'est comme ça, c'est une star, donc les gens vont vouloir faire photo avec toi, vont vouloir être derrière toi, voilà, tu ne peux pas te gêner, voilà, donc d'après lui, à cause de la foule, les gens vont vouloir faire photo avec lui, ils vont vouloir aller toucher, du coup, il n'est pas parti, d'après lui, non, avec, comment on appelle, la mort de sa femme là, avec la foule, donc il aura beaucoup d'émotions, il aura ceci, ah, dama, c'est la même chose là, quand sa femme était allée au bloc opératoire, la même chose, les mêmes paroles qu'il a dit. Qu'il n'est pas parti parce que les gens vont vouloir prendre photo avec lui, parce que c'est une personnalité publique, ils vont vouloir faire ceci. C'est la même chose. Il n'est pas allé à comment on appelle, le jour que sa femme devait s'opérer. Mais quand tu as une personnalité publique, tu as une star, c'est normal. Voilà. C'est normal que les gens viennent vouloir faire les petites photos. C'est ça qui est normal. Mais tu ignores quoi? Il ignorait quoi? C'est-à-dire qu'il avait peur. Oui. Il avait peur d'être présent. Peut-être que ça serait son dernier jour là-bas. Ça serait son dernier jour. Mais Dieu ne dort pas. Dieu est en train de... c'est-à-dire que de mettre palabre entre eux. À tes souhaits, je n'ai pas menti. Il dit, hein? Hein? Toi, tu as 10 350 personnes, pasteurs, et tu as peur d'aller dans la foule. C'est ça qui est la vérité? Quelqu'un qui a 10 350 pasteurs et il a peur d'aller dans la foule, c'est ça que vous croyez? Toi, ton ami est mort. On te pose la question, pourquoi tu n'es pas allé à ses funérailles, à son enterrement? Tu dis non, et j'aime pas trop la foule parce qu'il aura trop d'émotions. Comme j'ai perdu ma femme, Adama. Toi, tu as perdu ta femme et tu faisais les jeux de jambes, les trucs ici. Tu as perdu ta femme. Et puis toi, tu es triste. Et puis, on t'a vu ici avec Creole en train de péter les bouteilles de champagne. Adama. On peut nous mentir comme ça.
Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis votre en direct là. Oui. Votre histoire de Makoso. Oui, madame. Ce que vous dites, c'est carrément vrai. Mm-hmm. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah, ok, ok. J'ai trouvé ça aussi un peu bizarre, cette histoire-là, parce que dès le départ, personne n'a parlé, parce que je me rappelle, j'ai suivi un peu cette situation avec Makoso, et j'ai cru entendre que oui, le corps de la femme devait être autopsié, tout et tout. Mais après ça, on n'a plus rien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais et après, oui, allez-y. Parce que moi, on apprend que oui, elle est en train d'être enterrée. Et personne n'a parlé, personne. Que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des terroristes. Personne. Sèche. Dans mon téléphone, on se rend compte que oui, il n'y a que ses amis qui donnent des informations. Donc, toutes ces informations, ils savaient ça dès le départ, mais personne. Fais attention, les filles ici. Comme vous avez dit, ils sont. Impliqué dans cette histoire. Il savait dès le départ que c'est ce monsieur-là qui est à la base. C'est ça. Qui est à la base. Et je trouve ça désolant. Parce que vraiment, j'ai mal pour mon pays. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on doit en venir. Qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là? Donc, ça fait très, très, très mal de voir ce genre de situation, des gens qui maltraitent leurs femmes, qui tuent leurs femmes et tout. Et parce qu'ils mangent avec certaines personnes, ça n'arrive pas quelque part. Il faut qu'on change de mentalité et on voit des gens, certaines personnes, parce qu'ils aiment cette personne-là, ils ne voient pas ce qui se passe autour. Ils approuvent ce que cette personne fait. Donc il faut qu'on change de mentalité. Sérieusement, il faudrait que la Côte d'Ivoire revienne à la Côte d'Ivoire d'avant où on était vraiment unis. Parce que cette année-là, vraiment, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on connaît. C'est ça, c'est ça. Donc, c'était mon point de vue. Merci beaucoup. C'est que vous faites. Merci à vous aussi et bon week-end. Au revoir. Merci à vous aussi. Oui, au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Je voulais intervenir, en fait. D'accord, madame, on vous écoute. En fait, il était à Thrace, à chose, le truc de Côte d'Ivoire là-bas. Accusé le deux journal où il y a... où il y a la tête de celui qui est mince et puis c'est chauve là, bizarre, la bête là. On lui a posé la question. Que est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est pasteur? On lui a posé juste une petite question. Makoso dit que il n'est pas pasteur, que lui il est prophète. Adama. Allez le visionnaire, il dit que lui il est prophète. On lui a dit que, mais pourquoi les gens meurent comme ça, c'est pas normal. Il dit, mais eux-mêmes, ils tuent pas. Aïe. Parce qu'eux-mêmes, ils tuent pas. Ah. Makoso a les attitudes d'un tueur en série. C'est ça. Il se tient pas en place. Makoso ne se tient pas en place. Il est là, il fait la bougeotte. Regardez, allez regarder sur les chaînes de l'Europe, là, comment les tueurs en série se comporte là, c'est le même comportement que Makoso a. Moi je vous ai dit, Makoso a commencé par son propre enfant qu'il a eu à la femme, avec la femme métisse et puis l'enfant a disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où l'enfant est. Mais il n'a pas dit que l'enfant l'a vu. C'est faux. Ah. Deuxième, il s'est attaqué à sa femme. Deuxième personne, il s'est attaqué à Arafat parce que Arafat se confiait beaucoup à lui. Et puis c'est un gros jaloux. Arafat se confiait beaucoup à lui. Arafat lui a même dit qu'il avait peur du noir. Vous souvenez-vous que Makoso a dit ça, vous vous rappelez? Voilà. Il s'est attaqué, je ne sais pas comment, au petit Arafat. Hein. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que Arafat a même Bakayoko. En plus, c'est comme si c'est Pézol, ma soeur. C'est ça. À chaque fois, il tue, il avance. Il tue, il avance. Après, il s'est attaqué maintenant. Sa femme qui était au courant de tout, fallait qu'on la fasse taire. C'est ça. Et sa maman maintenant qui empêchait, il faut qu'on la lime aussi. Le prophète qui l'est parti saluer là, il est mort. Même son avocat, on n'a plus entendu jusqu'à présent. Merci là-bas. Maintenant, après là,
Après, maintenant, il fallait s'attaquer au gros lot. Ahmed Bakayoko, rapidement. Parce que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de terrain. Il s'approche à tout le monde. Mm-hmm. Il se méfie de personne. C'est, voilà sa faille qu'il a eue. Il a attaqué le monsieur là facilement. C'est il a dit, Makoso a un tueur en saisie. Ce n'est pas du jeu. Ne sous-estimez pas la bête. C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Hein. Et puis, il dit qu'il est prophète. Et puis, il est là, il menace les gens. Il a menacé Bravador. Mais oui. Et il a force. Lui-même, il a quelle force même. Eh hey, Dieu. Il a quelle force. Mais il s'enfonce. C'est ce que les tueurs n'ont pas peur. Oui, mais ils c'est n'ont pas bizarre. Peur. Les tueurs, puis, là, ils n'ont pas peur. Comme s'ils connaissent les gens du gouvernement, mais ils vont lui faire sa fête. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on est en train de dire là, en train d'être écouté. C'est ça. Ils vont lui faire sa fête. Lui, quoi qu'il est, il est bien, il est tout. Et puis, aujourd'hui, il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser. C'est-à-dire qu'ils ont enterré Ahmed Bakayoko. Que tu dis que c'est ton papa, c'est ton petit. C'est ton qui, il t'avait 10 millions là. Aujourd'hui, tu danses. Mais c'est comme ça, les tueurs. Il y a la mort de quelqu'un, ils doivent danser. Ils doivent danser, oui. Ça les rapporte encore plus. Il a fait son sacrifice. Ah, chaque fois, il doit manifester la joie, il doit danser, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, moi, quand je suis là, je suis en train de faire mes petites prières. Je ne suis pas Dieu. Mm-hmm. Mais je demande à l'âme d'Arafat. Je demande à l'âme de posséder Tatiana. Je demande à l'âme de Bakayoko, je demande à tous ceux qui sont, il est passé là-bas là. Ils n'ont qu'à se lever. En tout cas. Ils n'ont qu'à se lever. En tout cas. Voilà. Merci. C'était mon intervention. Merci beaucoup. Merci et bon week-end, bonne soirée. Au revoir. Allez, ciao. Au revoir. Voilà. Donc les gens comme cela là, il faut les dénoncer. Ce n'est pas des personnes qu'il faut protéger. Mm-hmm. Ces gens d'espèces-là, on ne doit pas les protéger. Sinon, vers la fin, c'est toi-même qui va manger. Quand tu élèves un python, là, il finit par t'avaler, il finit par te manger. Mm-hmm. Quand tu élèves un lion, là, il finit par te tuer. Vous avez compris. Donc, ces gens de personnes-là, on ne les protège pas. Donc, vous, les cyberartifices ou bien quoi là, les souliers de Paris, les Don Giovanni, les PTPT07 là, vous qui l'avez protégé aujourd'hui là, voilà l'antenne de faire propre pour vous donner. Vous pensez qu'il allait laisser votre mentor? Vous pensez qu'il allait laisser votre leader? Non. Non. Il a fait ça propre pour vous donner. Donc, venu parler encore de sa femme qui est décédée, ça n'avait même pas sa place dans ça. Vous devez même l'attaquer. Sans venir même parler de sa défunte femme, de la mort de sa femme, même mettre les audios. Non. Parce que le temps est déjà passé. On n'a plus besoin de votre version. Mm-hmm. On n'avait plus besoin. Parce que c'est trop tard. Où on avait besoin là? C'est où sa maman, où il insultait sa belle-mère, où lui et puis sa petite sœur insultaient sa belle famille. Il venait traiter la femme là de sorcière. Comment quelqu'un qui t'a donné sa fille en mariage, qui t'a donné sa fille, bon, elle t'a même pas donné sa fille en mariage, c'est-à-dire que tu as kidnappé sa fille. Et à cause de toi, sa fille ne parle pas avec elle. Aujourd'hui, la vieille a perdu sa fille. Elle demandait que justice soit faite pour sa fille. Elle demandait la cause de la mort de sa fille. Elle voulait juste qu'on l'écoute. Mais vous, les cyberactivistes qui parlez fort, vous étiez restés dans votre silence. Il vous a acheté. Il est venu vous marmailler avec les miettes. Vous l'avez bouclé. Vous l'avez fermé. Il allait faire l'autopsie. Quand il est venu, il a dit non, les docteurs ont dit que c'est le stress qui a tué sa femme. Ce qu'on a retenu comme le résultat de toxie de sa femme, il dit c'est les docteurs ont dit que c'est le stress qui a tué sa femme. C'est ça qui est resté comme résultat de toxie de sa femme. Oui, sa maman ici, elle voulait faire coûte que coûte
pour qu'elle puisse comprendre la raison de la mort de sa femme, de sa fille. Il l'a insulté ici. Même elle n'a même pas vu le corps de sa fille. Lui, le même Makosola, l'interdit ici d'arriver au funérail de sa fille. Parce que c'est lui qui donne l'autorisation. Hein? Elle ne savait même pas que Makosso devait enterrer sa fille. Pendant qu'il faisait la veille, la fille était malade. Elle était malade. Dans son propre pays, il n'y a personne pour l'écouter. Une femme ivoirienne qui n'est pas une étrangère. Il n'y a personne pour prendre sa défense. Vous les cyberactivistes qui parlez fort, vous étiez là. Vous n'êtes pas allé au secours à une personne non défense. Vous n'êtes pas allé au secours à une personne qui a besoin d'aide. Vous n'avez pas assisté à cette dame. Aujourd'hui, elle est morte de chagrin, avec beaucoup de choses dans son cœur, avec beaucoup de rancune, avec beaucoup de paroles, parce qu'elle avait besoin de se libérer. Elle avait besoin de parler. Mais vous, les cyberactivistes, vous êtes restés dans votre coin. Son oncle est venu donner aussi la communication. Lui aussi là, ils l'ont déjà. Les cyberactivistes, les souliers de Paris, tonton en voiture, au volant, il est resté dans son silence. Ils ont fait leur show, ils ont fait leur danse, ils ont fait le boucan ici. C'est aujourd'hui là, comme il a parlé de votre mentor, ça vous fait mal. C'est aujourd'hui, quand il a passé, il est venu insulter votre mentor, ça vous a piqué, il vous a loupé. Il vous a raté. Il vous a lépé. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu, c'est pour dire qu'il n'a plus besoin de vous. Il n'a plus besoin de votre aide. Il a déjà sa position dans le gouvernement. Il est protégé. Il n'a plus besoin de vous. Donc, il doit vous laver comme il veut. C'est pas maintenant que vous allez venir parler de ça. Vous allez venir mettre les audios où il venait pleurer en bas de vous. Vous êtes des complices, vous êtes des frappeurs de femmes. Vous êtes les maltraiteurs de femmes. C'est ce que vous êtes. C'est votre statut qui est là. C'est ça votre statut. Mais vous allez payer un à un. Parce que la haine ne va pas vous laisser. Son âme pleure. Elle pleure toujours. Elle dit, oui, mes frères ivoiriens, c'est-à-dire ils m'ont abandonné dans la mer d'un criminel. Mes frères ivoiriens qui pouvaient me protéger, qui sont censés me protéger, m'ont laissé dans la main d'un criminel. Aujourd'hui, je suis morte avec plein de paroles dans ma bouche. C'est là que vous allez sortir. C'est là que vous allez sortir pour dénoncer Makosso. C'est là que vous allez dire que c'est un faux pasteur. Il a été toujours le bon pasteur. Hein? Maintenant, l'église n'est plus pasteur. Il est prophète. Il est prophète. Lui, il change de jour en jour. On dit, un chien là ne change pas, il ne change pas ta manière de s'asseoir. Quelqu'un qui tue, il n'a pas peur. Quelqu'un qui tue là, il n'a pas peur. Vous vous attendez à quoi? Vous pensez qu'il allait vous rater? Vous pensez qu'il allait vous rater? Genre parce que vous êtes trop amis. Les Makosso là, ils n'ont pas besoin d'amitié. Quand je vous dis qu'ils font amitié par intérêt. Quand ils font amitié, amitié avec toi là, c'est parce qu'ils ont leur intérêt personnel. Quand ils tissent amitié avec toi parce qu'ils ont besoin de ton aide. Quand ils tissent amitié avec toi là, c'est parce qu'ils sont là pour quelque chose. Mais qu'ils n'ont plus besoin de toi là, ils te jettent comme je suis gâtée. Aujourd'hui là, vous venez crier, vous venez parler de quoi? Les acheter comme ça, les vendus. Vous allez donner raison à Tamira Choco. Parce qu'il n'a pas été hypocrite comme vous. Il est resté dans sa parole. Il est resté comme vous avez honte de lui dire qu'à Tamira Choco, vraiment, tu avais raison. C'est toi, tu avais raison. Comment vous avez honte de lui dire à Tamira Choco, tu avais vraiment raison. C'est toi, tu avais raison. Tu as vu tout ça pour le dénoncer. Mais comme nous, là, on était aveuglés par l'argent. Qui a fait, c'est les gros gigolos. Les femmes les ont mises dehors, ils sont devenus des gigolos à Paris. On les a jetés dehors, ils sont devenus des gigolos. C'est pour dormir dans les voitures maintenant. Attends, je vais bloquer les gens ici. Là. C'est pour dormir dans les voitures. En tout cas, nous, on vous regarde. Si vous voulez, là, venez casser les papos. Casser les papos comme vous voulez. Nous, on a assis, on vous regarde. C'est entre vous maintenant. C'est entre vous les amis, les protecteurs.
Oui, les meilleurs amis. Maintenant, c'est Jensen là. Les secrets vont sortir. Les voyages vont sortir. Adama. On peut avoir ce lourd comportement comme ça. C'est méchant. C'est méchant. C'est une honte. À votre place là, je ne vais même pas venir sur ce sujet. J'allais parler de la politique, comme il est rentré dans la politique. Mais je ne vais pas dire ce qu'il est venu me dire en Nubos quand il avait besoin pour qu'on le protège sur sa femme. Vous êtes tous des criminels. Vous êtes tous des malhonnêtes. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous les vendus. Vous êtes tous des criminels. Parce que celui qui protège un criminel est un criminel. Voilà. Donc, famille, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo. S'il te plaît, donne mon Nyomi là. Nyomi à FBI. Et puis, je vais vous laisser. Je vais vous faire un bon week-end. Ah, on peut être bête comme ça à dame. Donc voilà le Nyomi. Vous pensez que nous aussi on mange pas Nyomi aussi? Avec le lait qui va avec. Vous pensez qu'on n'a pas lait ici? On a le lait. Avec le Nyomi qui va avec. Donc famille, c'était juste ma petite vidéo. Voilà. J'ai mangé un peu de Nyomi. Il fait quelle heure déjà? On a mangé Nyomi. Donc les Judas là. C'était pour vous. Voilà. Parce que j'aime pas les hypocrites. Vous êtes des hypocrites cachés. Pourquoi ça parle pas? C'est vrai Nyomi, hein? C'est vrai Nyomi même. Merci beaucoup.